Salut les loulous et bienvenue pour la suite de Dying Light 2. Je suis heureux de vous retrouver pour cette folle aventure. Nous sommes à la partie 8 des vidéos et nous allons commencer sur une cinématique. Donc, avant toute chose, pour toi qui est nouveau, si la chaîne te plaît, pense à t'abonner, activer la cloche des notifications afin de ne rien rater des futures sorties. Et pour tout le monde, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image. Et nous démarrons de là, la one again, beast to fly, on n'a pas peur, on est des rappeurs. Yes Birdie et toi Loulou derrière l'écran, allez go, come on y va. C'est pas un pacifique. Qu'est-ce que t'en sais? Il rôde sans arrêt dans les parages. Il a une sale gueule lui. Hein? Il vient de l'extérieur? Bordel de couilles. Je sais pas ce qui t'amène ici, mais fais gaffe à tes fesses, pèlerin. Ouais. N'approche pas des pacificateurs. Fais gaffe aux thèmes de fesses, pèlerin, va. Je vais te pèleriner quelque chose, moi. Cette fois avec un biomarqueur. Ouais. Faut pas se laisser faire dans la live. Karl m'a dit de te conduire à lui. Allez. Si tu passais par là. Il voudrait se présenter. Ça le change de vouloir me pendre. Amène-moi Karl. Alors là, nous sommes revenus au bazar. Mais le problème, c'est que, rappelez-vous, c'était pas le bienvenu. A créé une civilisation qui s'est avérée être un colosse sur des jambes d'argile. C'est grâce à Econ que j'ai pas été pendu, d'ailleurs. Il voulait pas, mais il était obligé. T'étais une menace pour tout le monde. Bien sûr. Écoute pas les idéologies prêchées par les imbéciles qui appellent à la reconstruction. Il n'y aura pas de reconstruction. Il est là, le bougre. Qui aurait pensé? Un pèlerin au bazar. Bienvenue. Ouais, ouais, toujours en vie, malgré tes efforts. Le pèlerin, il peut te sauver la life. Je vois bien que tu m'en veux. Mais tu comprendrais si t'étais à ma place. On est responsable de la protection de la communauté. Ouais. Et on fait ça sérieusement. C'est pour ça qu'on a réagi comme ça. J'espère que tu nous pardonneras. Alors, dis-moi, comment ça se passe dans le monde extérieur ces jours-ci? Mal. Et c'est de pire en pire. Les camps sont de plus en plus petits et de moins en moins nombreux. J'ai peur qu'on ait bientôt nulle part où aller. Ça me surprend pas, fiston. L'humanité doit toucher le fond pour pouvoir se relever. C'est pour ça que nous, on est là. Ouais. T'as d'autres infos? Non. Ah. Pas vraiment. Pourquoi ne pas me parler de ta communauté? On nous appelle le peuple du bazar. C'est simplement un vrai bazar. En raison de l'endroit où nous vivons. C'est un Mais bordel. Ce qu'on est vraiment, c'est un peuple libre. Libre des mensonges, libre de l'argent, libre de la religion, des guerres, de la politique et du nuage sombre qui a recouvert la Terre. Ça a l'air génial. Trop beau pour être vrai, en fait. Oh, on a nos défis à relever. L'eau est rare, par exemple. Mais avec du courage et de la patience, on créera un jour un paradis. T'as l'air presque reconnaissant de l'effondrement de la civilisation. C'était aussi tragique qu'inévitable. Le consumérisme, la croyance dans le dollar tout-puissant a conduit à cette catastrophe. Donc, on s'efforce de ne pas faire la même erreur deux fois. Eh oui. Ce serait un crime. On veut créer un nouvel ordre basé sur les liens sociaux, sur la famille, la communauté. Une société dans laquelle les gens s'entraident et adhèrent à la justice. Pas besoin de police, de militaires ou ces figures autoritaires pour tirer sur ceux qu'ils doivent protéger. Il y a de la place pour tout le monde. Mais revenons à tes histoires. C'est une arche de Noé, quoi. C'est des ragots que tu cherches, Karl? Non. Mais tu viens de l'extérieur et tu traînes autour de mes ouailles. Bon. Tournons pas autour du pot. Je veux savoir si t'es un loup ou un agneau. Alors? Un agneau, je ne suis pas une menace. Un loup, alors fais gaffe. Putain, je vais faire quoi? Ouais, mais l'agneau, ça suit tout le monde. Ah là 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 là, je choisis quoi? Putain, un agneau, je ne suis pas une menace. Mais moi, je suis pas le troupeau, donc... Je suis pas fan de la métaphore. Ah oui, je vois. Les pèlerins sont pas amateurs de métaphores ou de poésie. Ils préfèrent agir. Ouais, à ce propos, voilà. Je cherche Sophie. Je pense que j'ai choisi la bonne... Et pourquoi, je te prie? Ça
te regarde pas, on va pas le faire ouf. J'ai un paquet pour elle. Je crois pas, non. Ah, merde. Sophie connaît personne en dehors de Ville d'Or. Elle est née et a vécu ici. C'est sans doute pour ça qu'elle s'en fait autant pour la ville. Elle m'aide beaucoup. Alors, à moins qu'il ne s'agisse d'un paquet de la rue d'en face, je vais dire que tu bluffes. Qui dit que je bluffe ? Moi ? Ça se sent à 1 kilomètre. Mais d'accord, je vais te dire où elle est. Et tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que même si tu viens avec de vilaines intentions, elle saura te gérer. On saura tous te gérer. Comme on l'a déjà fait, pèlerin. Passe par là. Tu verras un homme géant. C'est Herman, son garde du corps. Ah ouais, d'accord. Sophie sera pas loin. Merci, c'était pas si difficile que ça. Ne mens plus jamais, pèlerin. Excusez-la. Est-ce que je mens, moi? C'est Birdie. Fais juste preuve de politesse. What the fuck, quoi? Putain. Comment vous voulez que je joue normalement avec des bruits comme ça à côté de moi? Nous retient prisonniers chez nous. Donc, allez. Hey, ne me fais pas regretter de t'avoir dit où j'étais. Ah, c'est lui le géant. Bah, c'est un bébé, le mec. Non, mais respire. On dirait que t'es constipé, là, mec. Et je rentre comment, là? Ah. Sophie, on peut parler? Oh putain! Ne lui fais pas de mal, Herman. Tranquille, Herman. Lui, il a pas de cerveau, il réfléchit avec les muscles et après il réfléchit encore avec les muscles. En fait. Aiden. C'est toi le pèlerin qui est arrivé en ville récemment. T'es bien renseigné, on dirait. J'ai pas vraiment le choix. Je suis responsable de la sécurité ici. D'ailleurs, t'as fait une belle entrée hier. Je cherche du travail. T'aurais rien pour moi? On dit que tu sais te rendre utile. Ouais. Mais je préfère m'en assurer. Pourquoi pas une petite course pour commencer? Qu'est-ce que tu proposes? Va voir un des maîtres artisans, Alberto ou Vincenzo. Ils connaissent tous les deux l'emplacement des cristaux les plus purs. D'accord. J'en ai besoin pour une certaine transaction. Alberto et Vincenzo, dis-moi plus sur eux. Un duo père-fils. Alberto, le père, a tendance à jacasser. Avant l'heure zéro, il avait un atelier et un paquet de fric. Vincenzo, son fils, est assez timide. Ce sont tous les deux des artisans. Le genre qui pourrait fabriquer une montre avec un vieux chewing-gum et un bout de ficelle. Quand même pas, tu déconnes ou quoi? Une certaine transaction? Y a un truc que je devrais savoir? La curiosité est la première étape sur la route de l'enfer, c'est ce que dit Karl. Et t'y crois? Je crois qu'il faut pas faire confiance aux étrangers. Et c'est ce que tu es. Jusqu'à présent, du moins. Trouve-moi d'abord la localisation des cristaux. Ouais, mais on verra ensuite ce qu'on pourra faire. Panique pas. T'as dit que t'étais responsable de la sécurité du bazar. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tout pacificateur qui menace notre communauté de personnes libres peut compter sur moi pour lui briser le crâne. Elle a des yeux bien. Dont Karl parlait, vous sembliez être plutôt pacifiste. On essaie de renverser les anciennes méthodes et d'inaugurer une nouvelle ère pour l'humanité. C'est une véritable révolution. Et toute révolution a besoin de deux choses pour réussir. Une idéologie et une faction armée pour la faire respecter. C'est quoi ce truc, avec les cristaux? Ils sont le résultat des bombardements chimiques sur la ville. D'accord. Une sorte de dérivé. Les gens croient que l'infection se propage moins vite quand on les porte. Franchement, je crois pas, mais ça coûte rien d'essayer. C'est pour ça que vous y attachez autant d'importance. Entre autres choses, oui. Ils sont durs à trouver, durs à détruire et faciles à aimer. Waouh. Parce qu'ils sont si jolis, non ? Mais plus important, ils sont bien réels. Bien plus qu'un bout de papier de vieille monnaie. C'est pour ça qu'ils sont si chers. D'accord. Bien, je vais aller parler à l'un de ces maîtres artisans. Il devrait être au bazar. Assure, et on pourra réfléchir à te donner des missions plus importantes. Ouais. Et toi, gros bras, s'il te plaît, achète-toi un cerveau, mec, parce que ça se passe pas comme ça actuellement dans la vie. Tu frappes pas les gens et tu les refrappes pas derrière parce que t'as pas de cerveau. Tu réfléchis, tu discutes, et si le mec veut pas discuter, là tu montres que tu sais pas faire en vrai. Bon.
le gars, franchement. À l'époque, j'avais un énorme. Un massif. Un massif, un énorme, vous me faites peur là. Putain, je peux te parler, mec? Un atelier, putain, il s'en prend. Oui, un atelier. Oh. Alors, il est où? Là, tu n'y es pas, Alberto. Putain, oh. Je peux te parler, s'il te plaît? Je me suis retrouvé coincé dans un magasin de Hanfield d'une fois. Il est là, c'est lui maintenant, putain. Sophie m'envoie. Elle dit que tu sais où est-ce que je peux trouver des cristaux. Ah, bon sang! Ils ont déjà envoyé un de leurs... Pencu? Qui ça? Ce gars, son... Ah, le frère oh, de Sophie. Désolé. C'était quoi le nom de ce troduc? Barney. Le nom du troduc, c'est Barney. Et il a posé la même question, à propos d'une zone sombre avec des cristaux. C'est une nouvelle pour moi. Alors, où est cette zone sombre? 120 mètres. 120 mètres. Papa, je peux lui dire? Ah, je t'en prie. À 100 mètres du métro, il y a un grand panneau, Fashion Store, et un moulin à vent, de l'autre côté de la rue. Ouais. Merci. Eh ben, allez. On va aller. Vous l'avez compris, essayer de trouver le panneau de l'autre côté de la rue. Toi, on te prendra plus tard. De toute façon, ça, c'est une mission annexe. Et vous. Allez. Bon, on va aller parler à... Approche. À elle et son fou alors, derrière. Hein. Tu sais où ils sont? Je sais où c'est, mais il paraît que ton frère a déjà posé la question. Herman, vérifie si Barney a branché sa radio. Réponds-moi. Ah mais il parle pas Barney. Le mec. Oh merde. Merde. Voilà pourquoi il est injoignable. Il cherche les cristaux de son côté, en mettant encore des bâtons dans les roues. Ouais, c'est pas entendre. La première fois, je suppose. Non. Il essaie toujours de faire ses preuves. La dernière fois, il a été blessé. C'était il y a pas si longtemps non plus. Ouais. Sale petit con. Ouais. Je vais le tuer. Ouais, je vais ouais. le tuer. Je vais le tuer. Ouais. Ce petit con là. Pourquoi t'en vouloir? On est tous assez grands. Écoute, tu l'as dit toi-même, tu es nouveau ici. Donc, tu sais pas grand-chose. Je suis responsable de la sécurité, et c'est mon frère. J'ai Bien promis Sophie. De m'occuper de lui. Ouais. T'as promis? Promis à qui? Peu importe. Je vais lui botter le cul quand il entrera. Ouais. T'as vu Birdie? Elle s'appelle Sophie. Comment Barney a été blessé? Il n'a pas voulu me le dire. À mon avis, les pacificateurs... Vive à toutes les Sophie. Ton frère vous cache des choses? Écoute, c'est pas tes oignons. Barney, réponds-moi. Putain de merde. S'il est allé dans une zone sombre dans son état, ouais. Il est foutu. Il va falloir que j'aille tu peux essayer Barney, de le quoi. Trouver. Ok, j'ai compris. Toi? J'ai déjà été dans une zone sombre, dans l'hôpital du GRE. L'hôpital Saint-Joseph? Sérieux? Ouais. Si tu le sauves, tu le regretteras pas. T'as encore du temps. Barney va probablement attendre le crépuscule. C'est du suicide de se balader dans une zone sombre de jour. Contente-toi de le ramener sain et sauf. Ouais. Je ferai de mon mieux. Bonne chance. Mais garde ton gorille près de toi si tu veux. Fouiller le réchaussé de la cavité sombre à la recherche de Théodore. Ok. Il travaille avec des gens intéressants. Nouvelle quête. Dont un pèlerin, apparemment. Allez, on avance la nuit, hein, les loulous. Histoire de se faire la mission. Voilà. Allez, go flipper de nuit, c'est trop bien. Oh putain, je me sens pas bien. Attendez. Je crois qu'on avait en plus un point de compétence à mettre. À 5,27, c'est bien. C'est pas énorme non plus. Hop, attendez. Je reprends du violet là, hop, voilà, tranquille, c'est bien, allez, on y va.
à l'échelle est trop haute là. Comment ça se passe? On dirait que j'ai rencontré Carl avant toi. Quant à Sophie, je fais un boulot pour elle. Un boulot? Je l'aide à sauver son frangin. C'est bien ça. Gagne sa confiance. Sophie pourrait bien avoir des infos sur la mort de Lucas. Ouais. Sauf... méfie-toi de Barney. Il a quoi, Barney? Putain. Elle est où ma mission? Ah, mais c'est en dessous là? 20 mètres, ok. Ah, faut pas que je passe là. Oh merde! Oh putain! Je suis caché, putain. Oh. Oh, c'est terrible. Yahoo! Vraiment deux coups pour rentrer dans l'hôpital là, putain, dans, c'est pas un hôpital, je sais pas où aller. Je suis perdu. Oh les loulous, putain. Au secours. Oh, pitié. Aidez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Des infectés nous ont attaqués. Wow. Ils ont mis notre moulin en pièces. Toutes nos lampes UV sont en panne. Non. Je vois pas comment je pourrais aider. Si on ne remet pas nos lampes en marche, on passera pas la nuit. Wow. Très bien, je ferai mon possible. Ah ouais, putain, c'est l'abbé Pierre, quoi, je te jure. Je suis l'abbé Pierre, moi, je fais tout. Pas peur des zombies, rien, ouais. J'ai des champis encore. Sophie, je suis à l'intérieur, toujours aucun signe de parler. Tu dois le trouver. Il doit bien être quelque part là-dedans. On va déjà essayer de tous les tuer là. Vite. Hein? Je pense que c'est plus sage que ça. C'était la meilleure solution. Oh putain.
puis... J'ai plus de vie, je peux pas fabriquer de la vie direct là parce que... On n'est pas bon là. Comment on la met la vie déjà, putain. Putain, je sais plus comment on met la vie. Allez, on élimine tout en bas là. Ils sont en plein flip. En plein flip, hein, les loups. Est-ce qu'elle a des le moulin, putain. Non. Et ouais, je sais pas comment on met la vie, quoi. Putain, je sais plus comment on met la vie, les loulous. Putain, quelle merde. Bon, les loulous, on commence de là. Je sais. C'est de l'autre côté qu'il faut que je passe, putain, putain. On rentre par ici. Par où l'entrée déjà, putain. Ça me rend ouf quoi. Conteneur d'inhibiteur détecté. Voilà. Donc, on essaie de se le faire au mieux. Putain, je suis deck pour tout à l'heure. J'avais un bug, je me souvenais plus pour remettre la vie. Dans ce cas-là, c'est très compliqué. Faut que j'aille là-haut. Il est encore là. Ah ouais, mais c'est lui qu'il faut tuer. Donc... Il est gros le bouffre, il est gros. Tiens, un bras en moins, pas de bras pour tout cela. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci papa. Voilà. Il est fou lui, il est fou. Il est fada.
Putain, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Barney, c'est toi? T'es qui, putain? Sophie m'envoie. C'est ça, et moi je suis un général des pacificateurs. Heureusement que je suis venu t'aider, putain. Sois. Dégage! Non, ces cristaux sont à nous. T'as pigé? Dis-moi. Tu vous mets ta gueule, moi. Barney, ouvre. Va te faire foutre. Sophie, j'ai trouvé Barney, mais il s'est enfermé dans une pièce. Il est en vie. Bien. Cet enfant est têtu. Essaie plus pas. Je vais essayer. Barney ! Retourne d'où tu viens ! Ah, sors de là où je vais te faire sortir. Arrête de jouer les durs. Allez. Ta sœur s'inquiète pour toi. T'as pas intérêt. Laisse Sophie en dehors de tout ça. Mais c'est la vérité. T'as de la chance que je sois occupé, crétin. T'es occupé Barney, à quoi ? À te chier dessus ? Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Dégage ! T'auras rien de moi ! Putain de merde ! Super. Ah bah bien. Ah bravo, tu m'as mis dans le sale drap là. Tiens, monte de l'électricité. Toi aussi, t'en veux? Allez, hop, petit coup de pied. Coup de pied, tiens. Pas de tête, pas de chocolat. La donne. Ah ben toi, tiens. Alors, t'as mal? Ah, ça fait mal. Encore? Vous êtes fous quoi, oh. Ça se passe comment là? Attendez, ce que je vais faire, on va remonter l'immunité là. Mon perso il est un peu asthmatique, vous avez vu. Barney! Ok, c'est bon. Ah, c'est toi le gros dur? Ils sont partis. Ouais, c'est toi le gros viens dur. Prendre l'air. Ta sœur a dit que t'étais assez têtu, mais elle m'a jamais dit que t'étais stupide. Eh, je vais te tabasser pour ça. Ah bon? Tu vas tabasser non, qui? Non, Birdie. On doit trouver Birdie. Qui? On doit trouver Birdie. Il a attiré les infectés quand ils étaient sur le point de me tomber dessus. Tout dans le jeu, bébé. Sans lui, j'aurais fini tout comme Kojak. Tout dans le jeu, on doit trouver Birdie. T'es pas en état de chercher qui que ce soit. Il faut que j'aille te chercher. C'est qu'un gamin. J'ai promis à sa mère de le raccompagner. Bah, tu dois aller te chercher. Compris? What the fuck? Il a attiré ses enfoirés tout seul, tu piges? Pour que je puisse m'emparer des cristaux du bazar. Ouais. Je dois le retrouver. T'es pas en état de chercher qui que ce soit, Barney. Je rentrerai pas sans lui. Où est-ce que je peux le trouver? Il était au rez-de-chaussée quand ces enfoirés m'ont encerclé. Ils l'ont poursuivi par la porte latérale. D'accord, tu restes là et t'attends mon signal. Je vais chercher ton ami et je reviendrai pour toi, compris? Vite! Il y a un conteneur d'inhibiteur, il est où? Il est où le conteneur? Je ne partirai pas sans le conteneur d'inhibiteur, putain. J'ai besoin de vie. La vie, c'est la vie, c'est pas la mort. Vous comprenez? Alors, elle manquait à l'illustre. Hein. Non, mais lâche-toi, t'inquiète pas, tu crains rien. Je veux le conteneur. Ah ouais, je porte pas sans le conteneur.
ça? Ok. Une hache. Donc. Fait que remonter là quoi, putain. Conteneur d'inhibiteur détecté. Ah ouais, mais il est où? Il est où? Putain, j'avais pas à ramasser tout ça quoi. Il est où le conteneur? Dis-moi. Où est-il? Conteneur d'inhibiteur détecté. Je peux pas passer là, et non. Bon allez loulou, il est sûrement ailleurs, hein? Putain. Putain, il me met qu'il est là, putain. Ça pour y trouver les conteneurs, c'est. Waouh! Y'a pas un trou au plafond là? On se refait la poubelle, c'est pas grave. Avec les mouches autour. Ouais, et on rentre comment là-dedans? Pas passer là, oh. Conteneur d'inhibiteur détecté. Ah, mais j'avais un truc d'enquête à faire à l'intérieur, c'est une blague. Oh putain, d'accord. Du sang. Ça doit être Birdie. Voilà qui devrait nous mener jusqu'à lui. Allez, maintenant je peux ouvrir. C'est une blague, putain. Tu veux les traces? Elles sont où les traces? Ah ouais, ok. Ouais, mais non, 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 non. Pas la peine. Oh là là. On va faire le tour, hein, parce que je vous l'ai dit. Oh merde. Le tour. Oh là 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 là! Arrêtez, arrêtez les gars, arrêtez! Ah.
Oh putain. Oh merde. Non, c'est une blague, quoi. What the fuck, putain que c'est chaud, quoi. Conteneur d'inhibiteur détecté. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Ouais. Il est en dessous, il est dans le bâtiment là, putain. Je vais y aller comment dans le bâtiment? Avec tous les gens bizarres qu'il y a là. Ah! Il est là, putain. Deux conteneurs d'inhibiteur, ok. Waouh, c'est quoi ça? Et je me suis déjà fait trois infectés. Et on a trouvé. Qui peut faire mieux que ça? Sûrement notre ami. Il est où? Il est là, Birdie. T'es là. T'es une qui, sale toi gueule. Hein. Hayden, tu peux bouger? C'est Barney qui m'envoie. Barney? Bien sûr. Ce bon vieux Barney. Nathan Birdie, il s'appelle. Il s'en est sorti, pas vrai? Il a les cristaux? Ouais, il a réussi. C'est grâce à toi, gamin. Je m'en suis sorti. J'ai tué trois infectés. T'as vu? Bon, il y en avait déjà deux de blessés, mais... Écoute. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et... Je peux te demander un service. Tu vois, ça, là-bas. Ma radio. Je dois appeler quelqu'un. Tiens, mais on doit faire vite. Bien sûr, bien sûr. Je dois juste... Allô? Maman? T'es là? Maman? Nathan? C'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Tout va bien, maman. On a presque fini ici avec Barney. T'énerve pas, maman. Écoute, on les a récupérés. Les cristaux. On les a. Et j'ai tué trois infectés. Je les ai tabassés, maman. On doit vraiment y aller. Ensuite, dégage de là et retourne te mettre à l'abri. Barney l'a promis. Oui. Bien sûr. Je reviens bientôt, maman. Nathan, c'est quoi ce délire? Le Birdie est mort. Barney, t'es là? T'as trouvé Birdie? Il était dans un sale état, Barney. Je suis désolé. Merde! Putain de mordeur! J'adorais cet avorton, Hayden. Je lui avais dit de rester en arrière. On dégage de là! Y a rien pour nous ici. Mon biomarqueur, il commence à border le rouge Hayden. J'atteindrai pas le bazar. Je dois attendre quelque part. Juste à l'extérieur de la zone sombre, y a un moulin à vent. Je vais le réparer et te dire quand ce sera sûr. Tu peux te cacher ici jusqu'à l'aube. D'accord, compris. Dépêche-toi. Bon, donc les loulous, faut aller réparer le moulin à vent. Et après, nous nous arrêterons là, bien sûr. Hein. Vous en doutez. L'épisode est un peu plus long que prévu, là. Je suis désolé. Il est où? C'est pas le moulin avant, ça. Super.
Il est déjà là. Il vient d'arriver. Quoi ? Il était censé m'attendre. Il ne t'a pas fait confiance. Il a cru que tu voulais prendre les cristaux. C'est pour ça qu'il m'a envoyé chercher son ami. Pour pouvoir s'échapper. Non, ce n'est pas ça. L'enfoiré. Reviens au bazar. Je vais tout expliquer. Bon, donc les loulous, on retourne au bazar et puis on s'arrêtera là-bas. Il est où le bazar ? Il est là-bas. Allez. Petite... Donc attendez, on a déjà le moulin à prendre là. Alors, je fais ça rapide. Comme ça, vous verrez comment ça fonctionne. Ça fonctionne pas comme ça, on est d'accord. Oh. Putain. Voilà, super. Il n'y a pas une échelle quelque part ? Il y avait une échelle, non ? Putain. Alors les moulins, c'est tous des trucs d'escalade, hein, les loulous. Voilà. Assez chaud, comme ça, vous voyez un peu comment ça marche. Je ne vois pas comment on monte là. Ah ok. Donc voilà le premier moulin avec vous les loulous. Vous avez compris comment ça marche quand on prend un moulin. Alors là, c'est une safe zone tranquille. C'est un jeu, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Structure de survivant, moulin à vent, déverrouillé. Très bien, très bien, très bien. Donc écoutez, on va vite. On avait dit qu'il fallait vite aller au bazar. Là, je vais aller comment au bazar là ? Oh, c'est haut. Hein. Oh, oh ! Ouais, je suis mort. Putain, c'était peut-être trop haut, non ? Bon. Les loulous, j'ai dit qu'on retournait au bazar. Les choses vont mieux entre nous à présent, pas vrai ? Ça dépend, non ? Véronica, c'était un connard. Les pacificateurs nous lâchaient pas d'une semelle quand il était leur commandant. La conclusion est relativement facile à tracer. Lucas n'est plus là, donc les choses vont mieux pour nous. Amen. Ce serait mieux si tu la fermais, Barney. Où est Sophie ? Encore toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'espionnes ? T'étais censé m'attendre. Censé ? Les plans ont changé, abruti. Tu craignais que je veuille tes cristaux, hein ? Con, lui. Te craindre ? Toi ? Mais lui, sauve la vie. Quelle plaisanterie. On doit veiller à nos propres intérêts, pèlerin. Et ils te concernent pas. Deux de vos hommes sont morts. Pour vos intérêts. Vous avez utilisé Birdie pour me distraire, c'est bien ça ? Tu sais rien de moi et des miens, abruti. Birdie était comme un frère pour moi. J'ignore pourquoi ma sœur veut te voir. Alors va l'emmerder. Quel enfoiré.
Là, j'ai dit qu'il fallait voir Sophie. On va voir Sophie et on s'arrêtera là. On finit sur une mission propre. On doit les tuer, Carl. Ils étaient de la famille. On doit négocier. On ne négocie pas avec des extorques. T'es pas comme ta mère. Et puis c'est moi qui commande ici. Prépare tes hommes. On va donner ces maudits cristaux à Joe. Non mais... Il est fou lui, les cristaux. Putain de lâche. Je sais ce que tu penses. Mais... on doit l'écouter, Herman. C'est pour le bazar. Rien que pour le bazar. Sophie. Du calme, Herman. Il a sauvé Barney. Tu te souviens? Un type intéressant, ton petit frère. Vous ne vous entendez pas, c'est ça? Disons que ça n'a jamais été le coup de foudre. Barney a son mauvais côté. Mais sa loyauté est inébranlable. Ah ouais, j'ai vu, il m'a abandonné. Et avec tant de problèmes dans le vieux Ville d'Or, j'ai besoin de personnes de confiance. C'est quoi ces problèmes? T'es un peu curieux, pas vrai, Aiden? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi Barney m'a-t-il abandonné? Les cristaux sont inestimables. On en a besoin pour une transaction. Et tu vas maintenant pouvoir aider. Comme avec Barney et Birdie, je vois pas en quoi je les ai aidés. Barney était choqué quand il a appris pour Birdie. C'est pour ça qu'il s'est barré. Il veut le meilleur pour le bazar, Aiden. Il pense nous protéger. C'est qu'un gamin. Il n'était qu'un adolescent quand notre mère est morte. Mais déjà avant ça, quand il était petit, on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Maintenant qu'il est adulte, il n'a plus besoin de personne. Mais plus il cherche à aider les autres, plus il souffre. La situation a l'air de s'être compliquée entre toi et les pacificateurs après le meurtre du commandant. C'est peu de le dire. Pour être plus précis, notre situation est mal barrée. Mais Lucas méritait de mourir. Il faisait souffrir les habitants du coin bien plus que toute autre chose depuis l'épidémie. C'est lui qui a donné l'ordre aux pacificateurs de s'emparer de notre moulin à vent. Sans oublier qu'ils ont saisi une grande partie de nos récoltes. Et de l'eau, en échange de quoi? Leur protection? Je peux protéger les miens. C'est quelque chose que j'ai appris depuis toute petite. La querelle avec Carl, c'était quoi le motif? Disons que la mort du commandant des pacificateurs n'a fait qu'empirer nos problèmes. Regarde autour, Aiden. Qu'est-ce que tu vois? Quelque chose que ceux en dehors des murs n'oseraient même pas imaginer. Toutes ces personnes seront mortes avant la fin du mois. Pourquoi? Parce que toutes nos réserves d'eau vont très rapidement s'épuiser. Il y a 2 semaines de ça, Joe, un voyou du coin, et son pote Jack se sont emparés du seul château d'eau de tout le secteur avec leur bande. Il y a peu, ils vivaient au bazar. Mais Carl les en a expulsés à cause de leurs arnaques. Ils ont décidé de se venger. Ils ont miné le château d'eau et menacent de le faire sauter si on ne leur verse pas un paiement hebdomadaire sous la forme de médicaments, d'aliments et de cristaux. D'accord. Et personne ne sait rien de tout ça? Ils ignorent tout du niveau des réserves d'eau. Je comptais m'en charger, mais Carl craignait que cela ne provoque un vent de panique. À la place, il a contacté les pacificateurs pour de l'aide. Bien entendu, il est revenu bredouille. Il ne pense qu'à eux, mais à nous, n'en parlons pas. Il se foutait que Joe avait pris le château d'eau et qu'il réclamait un paiement. Ma mère disait souvent de ne jamais négocier avec un extorqueur, à l'époque où c'est elle qui commandait encore. Donc avant que Carl ne s'empare du pouvoir? Elle dirigeait le bazar d'une main de fer, et Carl l'écoutait attentivement. À sa mort, il est devenu prétentieux et trop sûr de lui. Ta mère voulait pas que tu lui succèdes? Je sais ce qu'elle voulait pour le peuple. Communauté et liberté. C'est ce qu'elle disait toujours. Mais ne me demande pas ce qu'elle voulait pour moi. J'ignore si j'ai seulement existé à ses yeux. Elle était une excellente meneuse, mais c'était un désastre de mère. Bien la famille, putain. Qu'est-ce que tu vas faire? Le nécessaire. J'ai promis d'aider Carl. Tant qu'il est au pouvoir, on va payer Jack et Joe. Et ils vont continuer de nous presser un peu plus à chaque fois. Encore et encore. La sécurité des miens est ce qu'il y a de plus important. Tu as prouvé que tu étais digne de confiance. J'aimerais te demander de nous aider. Carl pense que Joe va tenir sa parole et qu'il va nous donner accès à l'eau. Mais moi, j'en doute fort. J'ai envoyé des hommes négocier avec eux et je ne veux pas de mauvaises surprises. Carl et les miens ont déjà désigné le lieu où procéder à l'échange. Veille à ce que tout se passe bien. Je dois les surveiller. Ouais. À une distance discrète.
Ok. Eh bien, les loulous, nous nous arrêtons donc là-dessus. Merci à tous pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Pour toi qui est nouveau, pense à t'abonner, activer la cloche des notifications si la chaîne te plaît, bien sûr. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et pour tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, portez-vous bien. On se dit bye bye, à très bientôt. Je vous aime à tous, les loulous. Allez, ciao.